fasse travailler tes notes basses, tu sais. Mm-hmm. Parce que quand t'as fait la dernière fois que t'as fait le tour de Maria Carré, oui. Christmas, oui. T'étais précise dans les médiums et en haut, là où ouais. t'es à l'aise, dit qu'il faut commencer à envoyer, t'as un bon appui du souffle. Mais le problème, c'est que cet appui du souffle, tu l'as pas aussi bien maîtrisé quand t'es en bas. Ok. Tu peux me le refaire le morceau d'ailleurs. I don't want a lot for Christmas. Refais-moi. I don't want a lot for Christmas. For. Tu vois la note qui était en bas? Ouais. Tu la fais pas juste. D'accord. Et ça m'énerve parce que c'est ces petits trucs qui sont là. Donc avant que quelqu'un d'autre arrive, on en parle là tous les deux. Tu fais Hero? Oui. En duo avec Mathilde? Oui, enfin en battle. Battle? Ouais. C'est que je crois que vous, les profs, vous allez noter ou juger qui a été la meilleure. Ou peut-être Zaya encore, ou j'en sais rien. Tu te sens comment par rapport à. En face de Mathilde là-dessus? Ça fait un peu peur, quoi, parce que. Elle a une voix, quoi. Bah, c'est-à-dire que t'es pas sûr de l'emporter, hein. Sur ce truc-là, parce que... Ah non, mais pas du tout. Hein. Ah non, mais je sais, mais tu sais pourquoi? C'est parce que, justement, toi, t'es à l'aise parce que c'est ta culture, mais que, comme c'est un morceau qui commence bas... Le truc, c'est que t'as pas encore l'assise sur les notes basses et que t'es à l'aise quand il faut patater, quoi. On va faire un exercice. Oui. Qui va te perturber, parfois. D'accord. Parce que je vais te demander de me chanter une note et je vais aller à l'encontre de ce qu'est la note, c'est-à-dire une note haute, je vais te demander de te baisser. Ok. Donc, chante-moi une chanson, n'importe laquelle que tu aimes bien. Sauf Hero. Sauf Hero. I don't want a lot for Christmas. For. Cette note, c'est ce que c'est une ghost note? Non. Note fantôme. Par exemple, dans une guitare qui fait... Ça s'appelle des notes ghost, des ghost notes, des notes fantômes. Ok. Ce qu'on a en chant, c'est quelquefois on a ce genre de notes. À la fin, on a... Hey! Mais il faut qu'on entende la note. Hey! On doit l'entendre, cette note. Sinon, ça devient un peu fouillé. Refais-moi le truc de Christmas. I... Don't want a lot for Christmas. Elle était pas juste. En fait, je la pense trop en bas. Ça, c'est mon problème de toujours. Ah, mais moi, je veux don't que ce soit want a lot for Christmas. I don't want a lot for. I don't want a lot for Christmas. C'est mieux.